c'est un lieu unique. Le Théâtre du Châtelet, c'est un lieu dans lequel on n'a pas l'occasion de se rendre couramment. On se sent docteur dans cette belle salle. De mon temps, quand j'ai passé mon doctorat, malheureusement, ces cérémonies n'existaient pas. Mais c'est magnifique. Mon expérience scientifique, c'était au-delà de l'attendu. Et ému, ça ne résume pas tout ce que je sens pour avoir reçu mon titre de doctorat. Entre nous, on peut échanger des avis, on peut échanger voilà, nos domaines de spécialité. Et comme ça, je pense qu'on avance notre réflexion inconsciemment. Je suis fier, c'est un grand plaisir pour moi effectivement d'être là et de pouvoir célébrer la fin de ses études. Voilà, pour lui c'est un nouveau départ, quoi. C'est extraordinaire. C'est aussi assez impressionnant de voir tout le monde, toute cette diversité des sujets de thèse qui sont faits aujourd'hui et surtout de voir autant de personnes qui ont fait un doctorat et qui l'ont validé et qui sont aujourd'hui docteurs. Je pense que ça porte un vrai message en tout cas. Voilà. C'est pas si simple que ça. Il faut trouver le bon côté. Oui, elle est bien mise. Non, elle est parfaite. Alors ça, je vais en mettre une là. Ouais. On la verra pas et l'autre, je la mettrai en dessous. Très bien. Ce que nous essayons de faire à Sorbonne Université, c'est d'être ensemble plus fort. Il faut que vous donniez ce qu'un docteur sait faire. Chercher avec rigueur, faire preuve de savoir, d'ouverture au monde, de tolérance. Ce sont les valeurs de Sorbonne Université que nous portons ensemble. Vous appartenez à la communauté des docteurs de Sorbonne Université, à la communauté qui n'a pas de frontières, qui ne connaît pas de nationalité ou de clivage. Excellence à Sorbonne Université, chez chacun de ses membres, rime avec exigence. Duquesne Kung, conception, modélisation et commande d'un mini-drone sous la direction de Pascal Morin. Je vous demande simplement une seule chose, c'est de ne pas oublier d'où vous venez, de ne pas oublier Sorbonne Université, de ne pas oublier Paris-Sorbonne, l'UPMC, l'UTC, l'INSEAD, le Muséum National d'Histoire Naturelle, tous ces établissements qui vous ont porté, mais que vous portez aussi. Vous êtes maintenant nos ambassadeurs, nous savons que vous serez de bons ambassadeurs. 1, 2, 3. Je suis très content de pouvoir continuer la recherche, en plus sur des thématiques qui me sont vraiment chères et qui m'intéressent énormément. Donc ces 3 années qu'on pourrait dire de dur labeur, mais finalement c'est vraiment, quand on est passionné par ce qu'on fait, finalement ça passe très vite et j'aimerais continuer dans cette voie. Donc, on m'a offert l'opportunité de le faire, donc je suis très heureux là-dessus.
La journée d'aujourd'hui s'est vraiment bien passée. On a été bien accueillis depuis le départ. Et bah là, il y a une très bonne ambiance, les gens sont contents. Et là, je trouve sympa d'avoir réuni à la fois les sciences de l'Université Paris-Mercure et la Sorbonne avec des disciplines un peu différentes, sociologie, littérature. Le lancer de chapeau, c'est assez génial parce qu'on sent une émulsion. C'est le couronnement d'un parcours plein d'aventures. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très heureuse, très contente et émue, surtout de voir tous ces gens réunis aujourd'hui, les professeurs, les autres docteurs qu'on a aussi traversé la thèse ensemble. Et vraiment, je suis très contente d'être là.